Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme je vous l'avais demandé dans les dernières vidéos, c'était de m'envoyer des photos et des vidéos de vous qui cuisinez mes recettes. Donc aujourd'hui, justement, c'est une abonnée, Joanne, qui m'envoie ses recettes qu'elle a fait de Chef Jim Sensei. Donc je vous présente ça. Premièrement, elle a fait le pudding chômeur, une recette que j'ai fait l'an passé dans la cabane à sucre du coronavirus. Elle cuisine souvent mes recettes avec son garçon. Voilà le pudding chômeur qu'on a essayé, recette de Sensei Gilles. Hop là, c'est chaud un peu, je pense. Bon. Ça a réussi. Voilà. Toi, t'as vu le tuyau, moi j'ai vu la porte. Moi, j'ai préparé les ingrédients, waouh! J'utilise tout avec le sirop. Et voilà! On va ajouter un petit peu de sirop dessus. Un petit peu de sirop dessus. Oui. Et voilà. Elle a ensuite fait une crème de carottes. Et voilà notre soupe aux carottes. Crécy comme tu fais. En tout cas, on a essayé. Fait que c'est ça qui est ça. Merci. Et puis, elle a fait des carrés aux dattes. Ça, c'est le résultat final. Ben, avant d'être chauffé. Avant d'être chauffé. Merci beaucoup, Joanne, de m'avoir envoyé ces vidéos et les photos que tu m'as envoyées aussi. Donc, vous aussi, si vous voulez réaliser des recettes que je publie dans ma chaîne, donc envoyez-moi des vidéos, des photos, des recettes, des plats que j'ai préparés. Donc, je vais pouvoir publier sur ma chaîne prochainement. Donc, il va y avoir un prix à gagner. Hein, je vais faire tirer un prix pour tous ceux qui vont avoir participé. Je vais présenter ça durant la semaine. Donc, le concours est ouvert à tout le monde. Envoyez-moi toutes vos recettes que vous faites de Chef Jill Sensei. Si vous avez aimé la vidéo, ben faites comme Joanne. Envoyez-moi des photos et des vidéos de vos recettes. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye! Envoyez-moi vos recettes!